Sur le mystérieux objet.
l'autre reprit sur un ton plus grave et détaché. « Dis-moi, Carini, peux-tu apercevoir le supercontinent Maïlis ? Ou bien nous faudra-t-il attendre encore ?» Sur cet objet-là, petite pointe bleue. « Si, si, c'est bon, je peux le voir à présent, tout en mitouflé de petits nuages cotonneux. » Voilà. En prenant cet oculaire, le grossissement est meilleur. Encore un petit réglage, ça y est, tu peux venir regarder. Que c'est beau, c'est vrai que l'on ne se lasse jamais d'observer le croissement brillant et bleu de cet astre magnifique, accompagné du fin croissant de son satellite d'Akir, presque une planète bleue. C'est l'explosion de lumière de nos nuits. Tandis qu'Ulcarini poursuivait son observation, Uxat, le plus petit des deux satellites d'Akir, se leva à son tour et se mit en devoir de rattraper les traces de son compagnon sans espoir toutefois de pouvoir le rattraper. Tout de même, quel engouement pour cette étrange planète Edchar. Il ajouta presque à mi-voix, « As-tu des nouvelles concernant les projets d'exploration de cette planète ? Il est vrai que nous ne sommes plus exactement aux heures glorieuses de notre empire et que de telles tentatives sont pour le moins risquées. Toi qui travailles à l'examen de certaines missions pour conseil, tu dois avoir des précisions. » Pas beaucoup actuellement. Il est vrai que depuis les premiers pas de l'Edkir sur Edchar, notre connaissance de cette troisième planète s'est considérablement affinée. Mais depuis l'époque où on imaginait les autres planètes peuplées d'autres êtres vivants, l'exploration spatiale et les données scientifiques ont saupoudré nos illusions d'une toute autre, mais réconfortante réalité. La vie est certes apparue sur Edchar, comme sur notre propre planète, mais aussi ailleurs sous la coupe des satellites glaciaires, des planètes gazeuses. Pourtant, les formes de vie edchariennes sont incroyablement primitives. Pour rien au monde, d'ailleurs, je n'irai pas toucher dans cette bouillie infâme à des fins de prélèvement. Même si cela devait nous permettre de comprendre comment la vie est apparue sur notre planète en 1,5 milliard d'années, pourtant, certains mystères demeurent. Edchar, avec ses océans libres et profonds, passait pour la meilleure candidate pour l'évolution du vivant. Mais des formes de vie plus avancées n'ont pas pu s'y développer. L'autre de rétorquer. Tu sembles oublier que c'est une question d'échelle de temps. Et aussi qu'il y a certaines théories d'évolution faisant grand cas du fondement chaotique et fractal du développement des espèces. Rien ne dit que demain, sous l'impulsion infinitésimale de conditions physico-chimiques, la grande aventure de la vie ne m'a pas amorcé sur Edchar un tournant décisif. Eh bien, à mon avis, lui retorque l'autre, ça n'aura pas lieu. La vie sur cette planète semble figée dans un état primitif. Si l'évolution sur notre planète s'est accomplie sans entrave pour aboutir à l'Elkir, c'est précisément parce que notre globe a pu entretenir un niveau d'approvisionnement énergétique constant pour les formes de vie primitives et donc pour le développement, sans toutefois imposer une dynamique trop violente, puisqu'Elkir est deux fois plus petite qu'Edchar. Il est évident que les radiations cosmiques ont beaucoup influencé pour des choses, et ce davantage à mesure qu'on avançait dans le temps, à cause de la perte partielle de notre atmosphère. Les recherches les plus avancées en paléocométologie ont clairement démontré qu'une supernova nous avait bien arrosé de particules assez énergétiques, et par bonheur pour la vie sur Edchar, contrairement à Edchar, l'effet fut en définitive très bénéfique pour l'évolution sur notre sol. C'est là une théorie en laquelle je crois. Jamais Edchar, sur Edchar, la moindre forme de vie ne pourra faire émerger sa tête hors de l'eau. Ou si elle devait y parvenir, ça ne serait pas avant des milliards de nos années. Pour moi, son évolution s'arrêtera là, précisément à cause de son vaste bouclier océanique. Cette explication ne sembla pas satisfaire son interlocuteur qui chercha du regard un semblant de familiarité entre lui et les épaules pour couleur froide, mais très chaude pourtant. Pour rendre enfin explicite pour lui-même cette grande interrogation scientifique, quel est le sens de l'évolution. Et pourquoi donc nourrir une telle certitude, reprit-il. Après tout, la vie ne nous a-t-elle pas prouvé maintes fois sa grande capacité à franchir tous les obstacles qui se dressaient devant elle, ne serait-ce qu'ici même en atteignant son plein développement jusque sous la surface de notre planète. C'est d'ailleurs à cette avancée que nous devons peut-être notre salut. Quelques étoiles filantes rayèrent l'horizon lourd des lumières de la ville toute proche et située en contrebas. L'autre reprit ses premiers mots noyés dans un rire guttural souligné par le seul petit rictus que lui permettait sa bouche peu expressive. J'en doute très fortement, car tu fais allusion là encore à des formes de vie nettement évoluées. De toute façon, l'atmosphère d'Edchar est trop épaisse, même pour nous, Elkirien, avec son taux d'oxygène qui augmente encore et de façon exponentielle. C'est bien la raison pour laquelle cette planète n'a pas d'avenir propre, puisqu'elle a tout jamais tourné le dos à toute possibilité d'évolution, avec encore sa couche d'ozone et sa vaste magnétosphère et sa couverture océanique. Et l'autre dit. Alors c'est pour cette raison que les projets les plus démentiels de transformation planétaire ont été élaborés.
Tu dois faire partie de ceux qui estiment qu'il serait préférable de détruire Elchar plutôt que de s'installer ailleurs, voire même dans les entrailles de notre planète. Je sais bien que la situation de perdre notre atmosphère est un peu plus préoccupante pour notre espèce, mais vous êtes prêt à ôter toutes les chances d'évolution ultérieure de ce monde. Et pourquoi pas, lui dit l'autre, après tout, premier arrivé, premier servi. Le conseil des sages de la cité adhère parfaitement à ce principe. Ils vont se réunir à la capitale dans les jours à venir pour voter la mise en chantier des premiers essais de la bombe à antimatière destinée à souffler un peu l'excédent gazeux d'Elchar. Imagine un peu ce monde remis à neuf et prêt à accueillir légion de nos astronefs interplanétaires, tout droit sortis de nos chantiers orbitaux. Nous n'en sommes évidemment pas là, les périlomes devraient subir le même sort. Mon Dieu, s'exclame à l'autre en serrant son médaillon sur sa poitrine, te rends-tu seulement compte des conséquences d'une fausse manœuvre sur notre propre sol, surtout avec tous les accidents météorites que nous essuyons? Évidemment non. Les quantités sur Elkir seront bien en dessous de la masse critique. Néanmoins, certains originaux ont volé les programmes de simulation et les auraient utilisés à des fins de propagande écologique, en prédisant les conséquences d'une telle éventualité. Pas bien important, de toute façon. Et alors, il lui dit, tu sais, les écolos font savoir que ce qui leur permet de nous intimider. Et encore, je suis encore bien certain qu'ils exagèrent. La rumeur circule qu'une bonne partie de notre atmosphère serait soufflée, que la déflagration éjecterait vers l'espace une grande quantité de débris qui forcément retomberont tôt ou tard et que l'onde de choc serait d'une violence inimaginable. Finalement, l'eau cesserait de couler et gèlerait pour de bon dans le sol, et sous l'effet des rayons stellaires et cosmiques, notre belle planète verrait une lente mais inexorable oxydation la conduire définitivement à l'état de désert de rouille. Mais comment veux-tu que cela se produise? Tu n'imagines tout de même pas de futurs Elchariens parler d'Elkir, la planète rouge? Non, franchement, nous n'avons rien à craindre. À 2 milliards d'années et quelques minutes lumière d'ici. Nota bene, tout ce que j'ai cité dans ma nouvelle, tous les éléments scientifiques sont réalistes en regard de ce que l'on sait aujourd'hui même. Il y a pas, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte de la hard science fiction, dans le sens où j'essaye d'être au plus près et au plus connexe de la véracité actuelle. J'espère que ça vous a plu. Alors. Et pour mettre... Alors, est-ce qu'il marche le micro ou moins? Combien il marche le micro? Bon, vous m'entendez, Wenu, ça va? Ouais, je le regarde vocal qu'il faut. Parce que ça, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc, cette nouvelle un peu marrante pour vous montrer que développement de la vie, pas développement de la vie, possibilité d'évolution, tout cela n'est qu'une question de point de vue. Effectivement, si la vie a pu exister sur Mars et peut-être se développer plus rapidement sur Terre, pour les raisons que j'ai citées, eh bien, on pourrait, à la limite, imaginer des êtres vivants à la surface de Mars, considérant la Terre dans un état encore extrêmement primitif, à l'époque où la vie n'avait pas encore émergé de l'eau et était encore à l'état pratiquement unicellulaire. On va y revenir tout à l'heure, justement. Donc, la planète Mars, on va commencer par planter le décor avec les observations de Mars. On fera parfois appel, bien sûr, aux données, tout à l'heure on parlera d'un mineur 4, et puis des sondes qui sont passées à côté, sans oublier les sondes qui, bien sûr, se sont posées dessus, les missions Viking en 1976, mais aussi, bien sûr, le Mars Exploration Rover, et aujourd'hui Curiosity, le laboratoire martien roulant de près d'une tonne, qui nous envoie encore énormément de données tout à fait passionnantes. Mais on va commencer par se concentrer précisément sur l'astronomie et l'observation. Et on va voir que, de fil en aiguille, ce que les astronomes ont trouvé dans le ciel, ce qu'ils en ont déduit, et l'amélioration des techniques d'observation a influencé effectivement les écrits. Et on va voir jusqu'à quel point. Ça va nous amener jusqu'au seuil du XXe siècle. Mars dans le ciel, c'est effectivement un objet de couleur rouge, rouge, jaune, assez brillant par moment, ici, juste à côté de la main des Pléiades. Alors c'est vrai qu'avec la lumière du tableau, du coup, vous voyez moins bien, on va peut-être éteindre la lumière du tableau, il y a moyen de l'éteindre. Oui. Ce sera là, non? C'est là que je fais plus sauter. C'est mieux comme ça, hein.
Alors, Mars est un astéron par rapport aux étoiles. Il a pour symbole le symbole qu'on dira nous masculin, mais en fait, à l'origine, vous voyez, c'était le bouclier et la lance. Les autres symboles astronomiques des astérons, donc 7 astérons, 7 astromobiles par rapport aux constellations. Le Soleil, c'est un rond avec un point, c'est l'œuf de la création, la Lune, c'est le croissant, etc. Donc le bouclier et la lance. Mars, planète rouge, symbole du sang, symbole de la destruction, de la guerre. Donc c'était Nergal chez les Babyloniens, Harmakis chez les Égyptiens et Arès chez les Grecs et Mars chez les Romains. En réalité, Mars fait partie, c'est pas un dieu. Hein. L'objet Mars que vous voyez dans le ciel n'est pas un dieu. C'est une boule de matière qui fait partie de la grande famille du système solaire. Voici une photo de famille du système solaire. L'énorme soleil derrière, et puis les planètes géantes Jupiter et Saturne et sous géantes Uranus et Neptune, et les petites planètes qu'on appelle telluriques, qui sont rocheuses de densité entre 4,5 et 5,5, et qui sont plus proches du Soleil. Voici tous les corps telluriques du système solaire intérieur, on inclut la Lune qui est en fait un morceau de la Terre. À cette échelle-là, on ne peut pas voir Phobos et Deimos, les petits satellites de Mars, qui font respectivement 27 km et 16 km dans la plus grande dimension, mais qui sont aussi un morceau de Mars, qui ont été éjectés en orbite martienne à l'occasion d'un choc avec un planétoïde. Un peu le même scénario pour la Lune, quoique avec des tenants et aboutissants un peu différents. Donc Mars, en réalité, est deux fois plus petite que la Terre. Du point de vue de cette dynamique, elle est à mi-chemin entre Mercure et la Lune d'une part et Vénus et la Terre d'autre part, ce qui fait un intérêt tout particulier en planétologie aujourd'hui. Elle est issue, comme le reste du système solaire, de la formation du système solaire, qui est une longue histoire qui a débuté il y a 4,57 milliards d'années, avec des phases plus ou moins tranquilles, des phases plus ou moins musculées. Si vous avez des questions à la fin, j'y répondrai. Qui fait qu'aujourd'hui, Mars est une planète qu'on appelle supérieure, non pas dans le sens où elle a une supériorité morale, mais dans le sens où son orbite est à l'extérieur de l'orbite de la Terre, 1,52 fois plus loin en moyenne du Soleil que ne l'est la Terre. Donc dans le ciel de Mars, on voit le Soleil 1,52 fois plus petit, en gros, et puis bien sûr, il fait plus froid parce qu'on est plus loin. Alors il y a des conditions d'observation et position particulière d'une planète supérieure, je vous rappelle, hein, ici un dessin un peu simplifié. La planète est à la distance minimale de la Terre en situation d'opposition, c'est une situation très favorable à l'opposition, parce qu'alors la planète est située dans la direction opposée au Soleil, la distance est minimale. Pour Mars, la distance minimale à la Terre est de l'ordre d'un peu plus de, de l'ordre de 56 millions de kilomètres. Le calendrier des oppositions, puisque Mars et la Terre n'ont pas toujours la même vitesse, l'opposition ne se produit pas toujours dans la même direction dans l'espace. Et vous voyez, l'orbite de la Terre qui est à l'intérieur est assez circulaire. L'orbite de Mars, par contre, est plus elliptique, hein, avec une ellipticité, une excentricité de 0,017. En fait, on a un petit peu tiré. 0,093, pardon. On a un peu tiré sur le cercle. Vous voyez qu'il y a des oppositions qui se produisent loin. En 2025, ça se produira, ça sera une opposition pas favorable. Par contre, on a eu des oppositions très favorables jusqu'à récemment, en 2018. La plus favorable était sans conteste celle de 2003 pour les observations. Voilà. C'était le 26 août 2003, Mars était à seulement 5,7 millions de kilomètres. Et la dernière opposition, celle du 27 juillet 2018, ben, elle était à 59 millions 210 000 kilomètres. Donc en fait, les situations d'opposition, c'est important parce que c'est à ces moments-là qu'on va observer Mars le plus facilement. Bon, il y a les belles photos qu'on obtient avec Hubble Space Telescope, notamment lors de l'opposition la plus favorable. Alors Mars, voilà, dans les meilleures conditions, bah, on voit ça. Et avec des instruments modernes, du traitement d'image. Alors là, on peut déjà discerner des choses, mais on ne comprend pas forcément bien ce qu'on voit. On devine des reliefs, on devine une calotte polaire. Mais c'est une excellente image pourtant qui a été prise par mon meilleur ami, donc en 2003, l'Observatoire de Nice. Seulement les anciens, ben, ils n'avaient pas ces moyens-là. Au départ, ben, on avait le nu pour observer. Et puis, progressivement, on a inventé des instruments pour capter la lumière de la planète. Et encore, fallait-il, même en disposant des instruments, l'observer au meilleur moment.
Ainsi donc, on est passé de l'astronomie à l'œil nu, vous voyez juste Mars comme un point rougeoyant dans le ciel, à l'astronomie avec des instruments. Ça, on le doit à Galilée qui a inventé, il a repris le concept de la lunette, il a perfectionné la lunette pour en faire un objet d'observation, un instrument d'observation. La lunette est formée de lentilles, hein, de verre, donc c'est des disques de verre bombés, pas bombés d'ailleurs. L'objectif, il collecte la lumière, l'oculaire qui forme une image. On en profite à ce moment-là pour grossir l'image. La lunette permet de former une image plus grosse. Si on grossit 6 fois, tout se passe comme si on était en fait 6 fois plus près de l'objet. D'accord ? Par exemple, la lune. Eh bien, Galilée avait mis au point une lunette qui pouvait grossir pratiquement 20 fois. C'est la grande lunette qui est gardée au musée de Florence, que vous avez donc en photo ici. Galilée littéralement découvrit d'autres mondes, découvrit des reliefs sur la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, les taches sur le Soleil, etc. etc. Et puis, il a également observé les autres planètes. Alors, il voyait Saturne comme une planète avec des extensions, comme si elle avait, entre guillemets, des oreilles de Mickey. Mais il ne pouvait pas comprendre, parce qu'il ne connaissait pas Mickey, évidemment. Trêve de plaisanterie, pendant longtemps, ça a été un vrai problème. Qu'est-ce que c'est que cette planète Saturne ? Il avait bien vu que Vénus en bas avait des phases, et par contre pour Jupiter et pour Mars, là, il voyait qu'un disque. Et encore, il devait le voir assez petit dans sa relativement petite lunette, dont l'ouverture était de 2 à 3 cm seulement, toute petite lunette. Mais qui avait le mérite, déjà, qui a fait faire de gros progrès à l'astronomie. En fait, la première littérature un petit peu sérieuse qu'on a de Mars, c'est quand on a pris conscience que Mars était vraiment un monde à part entière. Quand on a compris qu'effectivement les planètes tournaient autour du Soleil et avec les lois de Newton seront les mêmes lois que la Terre, hein, que la physique d'ici c'était comme la physique d'en haut, et qu'on a été en mesure aussi avec les instruments d'observer Mars et d'en tirer des croquis un petit peu exploitables, un petit peu intéressants, c'est là qu'on a compris qu'on avait véritablement affaire à un autre monde. Et on a cessé depuis d'en prendre toute la mesure jusqu'à nos jours. Mars vu au travers d'une petite lunette, c'est un objet assez décevant. Hein, c'est pas facile à observer, bon, c'est un dessin très approximatif ici. Si vous écarquillez un peu les yeux, bah, c'est à peu près la vision que vous auriez de Mars, en fait, vu au travers d'une lunette, même d'assez bonne qualité. Bah, pendant longtemps, c'est tout ce qu'on a eu comme image de Mars. C'est-à-dire un disque rougeoyant, avec des changements de teinte, d'accord, qui des fois se répétaient, parfois pas, parfois le disque était complètement brouillé, ça posait en fait de poussière, et puis voilà. Hein, par exemple, Mars vu à la mi-août dernier dans la lunette vide du télescope Chaumas, aujourd'hui bah, il faut composer des images différentes de couleurs pour obtenir une image correcte de Mars. Mais néanmoins, il faut déjà connaître Mars pour pouvoir identifier les reliefs. Quand on ne connaît pas a priori les reliefs de Mars, on ne peut rien identifier. Alors, la première esquisse de Mars, elle a été réalisée par l'astronome et avocat italien Francesco Fontana. Comme vous voyez, c'est pas très riche de détails. Hein, c'est... Autant dire qu'il a essayé, mais voilà, il n'a pas vu grand-chose. Ce croquis a été réalisé d'après une observation de Mars, avec une lunette astronomique qui était déjà bien meilleure que celle de Galilée, c'était en 1636. Et puis Christian Huygens a réalisé ce croquis d'après une observation faite en 1659. Bon, voilà, on ne peut pas en dire grand-chose non plus. Puis Giovanni Cassini, c'est en 1666, remarque la présence de calottes polaires brillantes au nord au sud de la planète. Il a amélioré les techniques d'observation et les instruments. Son neveu Maraldi les étudie et montre que tout comme certaines zones sombres de l'équateur, elles sont sujettes à des variations régulières. On prend conscience qu'il y a des saisons sur Mars. Voici les croquis de Cassini d'après les observations 66, qui n'étaient pas terribles. Et voici ce que son neveu a réalisé suite à ses observations de 1704. Vous voyez déjà qu'il y a eu une amélioration très nette. Les croquis réalisés par Maraldi sont déjà très intéressants à exploiter. On pourrait déjà en faire un commentaire. On regarde ce que l'on connaît déjà sur Mars. Et on a déjà conscience, dès cette époque, dès le début du 18e, en fait, du 18e siècle, que Mars est un monde probablement à part entière. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Mars est deux fois plus petite que la Terre, probablement, et qu'elle est deux fois plus petite, les pics, il y a des saisons. Eh bien, c'est à ce moment-là que Mars passe du statut de monde.
monde fantasmé qu'on ne sait pas, c'est l'histoire des voyages dans l'Antiquité. Il avait déjà été question de voyage avec Lucien de Samosate, qui avait voyagé son héros lui-même sur la Lune ou sur d'autres corps. Bah, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que vraiment les autres planètes du système solaire, on va les connaître de mieux en mieux, et d'emblée on les imagine peuplées d'êtres vivants. On parlera de la pluralité des mondes habités. Et l'un des premiers ouvrages un peu sérieux qui tient un vrai commentaire, une vraie discussion sur la question, on le doit à Bernard Le Bovier de Fontenelle, qui était quand même, excusez du peu, secrétaire de l'Académie des sciences, mais c'était aussi un grand écrivain. Et il en profite pour vulgariser les travaux de Copernic et de Descartes. Donc il y a une reprise des travaux de Copernic, de Descartes, essentiellement, et d'autres encore, et une mise en lumière et un approfondissement des réflexions avec ce que nous apportent ces connaissances, notamment sur ces fameuses planètes, ces astres errants, les planètes qui tournent autour du Soleil. Dans ses célèbres entretiens sur la pluralité des mondes, qui datent de 1686, eh bien, il se laisse aller un certain nombre de réflexions. Ces entretiens évoquaient la vie souterraine des habitants de la Lune, d'où les multiples cratères dont elle est perforée pour que la lumière puisse passer. Et il n'hésite pas à parler de l'existence sur Mars d'oiseaux phosphorescents qui permettent aux indigènes d'y voir un peu plus clair. Je ne sais pas de vous dire ça, mais c'était furieusement imaginé. En même temps, c'est extrêmement poétique. C'est comme une nouvelle mythologie qui se met en place, et c'est extrêmement poétique. Et Fontenelle n'était pas dupe quand même de ce qu'il pouvait dire. Il a quand même déclaré « Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant. » Cette pluralité des mondes habités, c'est quelque chose qui occupait déjà les sphères intellectuelles du temps de Giordano Bruno, du temps de Galilée, de façon un petit peu souterraine, ça a fini par réémerger effectivement au 18e et au 19e siècle, hein, pour prendre la forme que l'on a connue à la lumière des sciences au 20e siècle. Donc Cosmoteoros, justement, Christian Huygens, l'astronome hollandais Christian Huygens, qui avait découvert que la durée de rotation de Mars est proche de 24 heures, il a publié un ouvrage dans lequel, d'ailleurs, il admettait sans retenue l'évidence d'une vie non sur la Lune, mais sur les autres planètes, dont la planète Mars, justement. À propos des planètes, il nous dit à quoi pourraient-elles servir d'autres. Les hommes qui habitent les planètes ont la raison, l'esprit, le corps, de la même espèce que ceux qui habitent la Terre. Belle affirmation, mais bien sûr, rien pour l'étayer. C'est une conviction qui est de plus en plus répandue. Cette conviction habitera les plus grands esprits pendant deux siècles, jusqu'à l'austère philosophe allemand Emmanuel Kant, qui a quand même déclaré « Je suis d'opinion qu'il n'est même pas besoin de soutenir que toutes les planètes sont habitées, dont Mars forcément, car le nier serait une absurdité. » Quand même énorme. Alors, il n'y avait pas vraiment beaucoup de preuves. Enfin, on n'était pas à la preuve scientifique. Ainsi d'ailleurs, c'est pas surprenant que le rigoureux mathématicien Laplace, qui s'est quand même laissé aller à dire « L'action bienfaisante du soleil fait éclore les animaux et les plantes qui couvrent la terre, et l'analogie nous porte à croire l'analogie, la théorie des analogies. » C'est quelque chose dans l'histoire des sciences qui est très très intéressant. Hein, c'est une vieille notion qui remonte en fait à l'Antiquité et qui essayait de créer des correspondances entre en bas et en haut. L'alchimie notamment ressort de ce genre de choses. Il nous dit « L'analogie nous porte à croire qu'elle produit de semblables effets sur les autres planètes. » Déjà en littérature et dans la pensée des penseurs d'époque, ben le décor était planté pour imaginer de façon qui semblait sérieuse que oui, les autres planètes ont quelque chose de quand même un peu similaire à la Terre et la vie a pu se développer sur les autres planètes. À ce moment-là, précisément, l'attention se focalise sur Mars. L'attention se détourne de la Lune pour se concentrer sur la planète rouge, notamment avec l'astronome anglais William Herschel et sa sœur Caroline, qui mène beaucoup d'observations de Mars, sa sœur Caroline Herschel. C'est le découvreur d'Uranus, hein, au passage, en 1781, je crois. Il a fait remarquer la chose suivante, l'analogie entre Mars et la Terre est certainement la plus évidente parmi toutes les planètes du système solaire. On va voir ce qui lui fait dire ça. Ce qui lui fait dire ça, c'est pas seulement la taille de Mars ou le fait que
On commençait à imaginer vraiment que la planète était rocheuse. William Herschel observa Mars de 1777 à 1783. Et par la suite, son digne fils, John Herschel, démontrera que l'axe de rotation de la Terre est incliné comme, de Mars, pardon, est incliné comme celui de la Terre, ce qui génère les saisons. Et son fils le déclarait, il faudrait avoir retiré bien peu de fruits de l'étude de l'astronomie pour pouvoir supposer que l'homme soit le seul objet des soins de son créateur, et pour ne pas voir dans le vaste et étonnant appareil qui nous entoure des séjours destinés à notre race d'êtres vivants. Déjà, là, on a un décor qui se plante. William Herschel observe Mars, il détermine son axe de rotation, effectue un angle d'environ 30 degrés par rapport au plan de l'orbite. Il affine la valeur de la période de rotation qu'il estime désormais à 24 heures, 39 minutes et 21,67 secondes. Autrement dit, avec la valeur moderne, vous pouvez comparer, c'est 24 heures, 39 minutes, 35 secondes. Donc c'est quand même une erreur relative qui est extrêmement faible. Donc Herschel, il a vraiment été extrêmement précis dans ses observations. Donc il a repéré des éléments de ce qu'on pourrait appeler le relief, hein, pour pouvoir faire des mesures extrêmement précises de la période de rotation. Et c'est ça, en fait, qui l'a amené à dire que Mars était vraiment très très semblable à la Terre. Il interprète également les changements d'apparence régulier de la surface de la planète, la formation de nuages. Il en déduit la présence d'une atmosphère. L'absence d'occultation des étoiles au bord du disque planétaire lui fait comprendre que cette atmosphère, néanmoins, est très ténue. Donc on sait, dès les observations de Mars, dès 1783, si on avait pris au sérieux les observations d'Herschel, qu'effectivement, Mars tourne à peu près à la même vitesse que la Terre sur elle-même, ça donne un cycle jour-nuit. Mars a des saisons, on allait le voir plus loin au 19e siècle, et puis Mars a une atmosphère. Mais attention, cette atmosphère est quand même très ténue. On va voir comment Camille Flammarion va se tirer de ce truc-là, justement, pour justifier que quand même il y a quand même de la vie sur Mars. Les croquis plus précis, en 1830, souvient une nouvelle opération, une nouvelle opposition de la planète Mars, qui permet à deux cartographes, Mendler et Beer, de faire une jolie cartographie avec un système en latitude et longitude. Et là, on a une carte beaucoup plus précise de Mars, qui nous permet de nous faire une meilleure représentation de la planète, notamment une dissymétrie dans le sud, de grandes masses, mais ce n'est pas encore très très précis. À ce moment-là, peu après cette période, arrivent des descriptions vraiment romantiques, portées par le courant romantique, avec la personne de Camille Flammarion. Camille Flammarion et Victor Hugo se connaissaient très bien. Hugo témoigne une grande sympathie à Camille Flammarion, lui-même admirateur inconditionnel et enthousiaste de Victor Hugo. Victor Hugo, eh bien, quand on lit sa vie et ses écrits, il peuple tous ces astres et tous ces univers que nous connaissions à l'époque d'êtres vivants. À Flammarion lui dit, je pense comme vous. Les matières que vous traitez sont la perpétuelle obsession de ma pensée. À titre d'exemple, dans les globes flottants au fond des étendues, des races comme nous ne sont pas retrouvées pendues. On voit ressurgir alors la fameuse pluralité des mondes habités dont je vous parlais tout à l'heure. Pluralité des mondes habités qui, en réalité, dépasse largement le système solaire. Nous connaissons à ce jour, nous sommes le 8 juin, je crois, 2019, nous connaissons à ce jour beaucoup de planètes qui orbitent autour d'autres étoiles. Nous connaissons 4075 exoplanètes dans 3043 systèmes, dont 660 à planètes multiples. Donc bien au-delà de notre petit système solaire, qui est déjà grand, hein, numériquement, il y a 8 planètes quand même principales, on connaît quand même 660 autres systèmes solaires dans lesquels il y a aussi des planètes telluriques, des planètes gazeuses, etc., etc. Et on n'a pas fini d'en trouver. Mais revenons à Mars. La pluralité des mondes habités est effectivement un titre de Flammarion. Voici la quatrième édition de 1865, où Flammarion fait des rapprochements entre la Terre et Mars. Et il fait aussi dans le ciel du ciel, que vous avez ici, un rapprochement tout à fait saisissant avec la Terre, les villes, les paysages de Mars. Donc il a toute une abondante littérature, finalement, à l'époque. Tiens, le monde de Mars. Et ben voilà, le monde de Mars.
Pays par le Vénus, ça je vais vous le faire passer. Faites-y attention quand même, hein, c'est un originaire, enfin comme moi aussi je suis un originaire, mais pas pour la même raison. Mais c'est un exemplaire original, on parle des habitants de Mars par exemple. Les habitants de Mars, ils connaissent beaucoup de choses sur les habitants de Mars. Voilà. On parle aussi du darwinisme, l'évolution, c'est intéressant. Voilà. Les règnes animaux. Habitants imaginaires de la planète Mars. C'est passé. Attention, il date vraiment de 1885. Hein. Donc, Flammarion n'hésite pas à enfoncer des portes ouvertes. Il fait énormément de vulgarisation et il ose annoncer des choses qui sont vraiment pas solides sur le plan scientifique. D'ailleurs, ça lui a valu bien des déboires quand il était encore jeune, qu'il avait tout juste 20 ans. Eh bien, il a connu de graves déboires avec le très rigoureux et très difficile Urbain Le Verrier, qui est le directeur de l'Observatoire de Paris, qui l'a foutu à la porte. Alors, dans ses écrits, il y a des conclusions très engagées. Dans son ouvrage, Flammarion soulève justement la question de l'atmosphère. Ah, bah oui, parce qu'on avait dit que l'atmosphère devait être émue. À cette occasion, intégrant les observations des astronomes, il explique que, jusqu'à preuve du contraire, la possibilité que d'autres planètes soient habitables ne peut quand même pas être exclue scientifiquement. Ah. Ainsi, il s'accommode de l'absence apparente d'atmosphère sur certains astres observés, dont Mars, en les supposant réduites à de fines couches imperceptibles depuis la Terre et qui recouvraient quand même les plus basses zones de leur relief respectif. Une question de compromis, ça permet de sauver un peu les apparences. Viendront ensuite des considérations dimensionnelles montrant qu'on peut négliger les différences d'échelle et suffisantes pour justifier que la Terre habitée a de grandes chances de passer inaperçue aux habitants des autres planètes. A contrario, ce n'est pas parce que depuis la Terre nous pouvons percevoir d'éventuelles traces de vie sur les autres planètes que cela implique qu'il n'y en ait pas. C'est le raisonnement. Dans la planète Mars, Flammarion, deux conclusions. Dans la planète Mars, Flammarion concluait « Il est possible que ce monde soit actuellement habité par une espèce humaine analogue à la nôtre. » Déjà, je ne sais pas où il a été pêché ça, mais ça c'est beaucoup de morphisme, mon anthropocentrisme, à 200%. Plus légère sans doute, plus ancienne, et qui pourrait être beaucoup plus avancée. Alors ça, comme affirmation, c'est béton. Mais il n'y avait rien pour l'étayer. Toutefois, il doit exister entre les deux mondes des différences originaires essentielles. Napoléon. Donc tout ça, c'était bien sûr le fruit de l'imagination. Alors quand même, si on considère l'état d'esprit qui régnait dans nos pays au XIXe siècle, on peut admettre que les propos quelque peu progressistes de Flammarion ont séduit le public, qui avait aussi besoin de rêves, de s'échapper de ce monde qui devenait de plus en plus mécaniste et froid, ce monde de l'ennui, que décrit d'ailleurs par ailleurs très bien Charles Baudelaire, hein, ce milieu du 19e siècle aussi, qui était à 1850-1860, qui était un monde profondément ennuyeux. On avait envie de rêver et ça correspondait très bien. Voilà, d'autant que l'idée qu'il existe d'autres formes de civilisation s'inscrivait par ailleurs dans le domaine du merveilleux comme une sorte de conte auquel on aimerait croire. Mais ça, on passe à la partie le mythe des canaux martiens. C'était avant 1877. Et vous voyez que le contexte était déjà planté par les penseurs, par les écrivains, par un grand vulgarisateur qui était Camille Flammarion, à se dire bah oui, les autres planètes sont habitées. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'ombre de commencement, d'un début de preuve. Et c'est là que d'autres observations sont venues en ligne de compte avec de nouvelles cartes de Mars, et c'est la mise en place du mythe des fameux canaux martiens. Mars est passé à l'opposition le 7 septembre 1877, condition d'observation favorable, je vous l'avais dit. À ce moment-là, la distance est minimale, 56 millions de kilomètres et demi, une magnitude qui fait qu'elle est bien visible, qu'elle est haute, et qu'elle a un beau diamètre apparent, pratiquement 25 secondes d'arc dans un instrument. En plus, les instruments se sont améliorés en 1877. Sauf que, malheureusement, les instruments n'étaient pas encore assez performants et on avait
quelques soucis à retranscrire l'observation. Évidemment, on ne pouvait pas prendre une photo avec son smartphone. Il n'y avait pas de smartphone. Et il n'y avait pas d'ailleurs véritablement de dispositif photographique suffisamment aguerri pour pouvoir prendre des photos. Il y avait des usines à gaz de type daguerreotype qu'on essayait d'améliorer, mais Mars n'avait pas la luminosité, non pas non plus la couleur, parce qu'elle était très rouge, qui donnait la bonne réciprocité sur les photos pour arriver à l'observer. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les observateurs? Eh bien, ils ont observé et ils faisaient du dessin. Et dans le processus de faire du dessin, eh bien, s'intercale évidemment, de la part de notre observateur, une part d'interprétation. De bonne ou mauvaise observation. En 1877, l'Américain Asaph Hall découvre les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos. Et parallèlement, l'astronome ingénieur italien Giovanni Schiaparelli, qui était directeur de l'observatoire de Milan, observe Mars au moyen d'une lunette Mars de 22 cm de diamètre installée sur le toit du Palais d'Opéra à Milan. Par ses observations, qu'il retranscrit avec des dessins, on va le mettre par écrit, il, entre guillemets, mit en évidence des alignements sombres. Voilà les cahiers d'observation de Schiaparelli. Des alignements sombres qu'il appela canali, littéralement sillon ou chenot. Voilà le planisphère de Schiaparelli. Une jolie carte d'ensemble de la planète Mars avec maintenant des sillons, des chenots. C'est une nomenclature latine d'inspiration mythologique, mais néanmoins il y a une grande qualité des relevés très proche des standards modernes. Dans ces cartes de 1877 et après, là ça date de 1800, bah, un peu après, 11 ans après, il les a publiés dans les 11 années qui ont suivi. Donc voilà, il y a une petite erreur de traduction qui s'est perpétuée, qui s'est propagée. Malheureusement, les Américains et les Français traduisirent canali par canal et non par sillon, rattachant du coup ce concept à une construction artificielle plutôt que naturelle. Schiaparelli lui-même, pris dans la controverse, écrivait à ce sujet: leur aspect étrange, leur régularité géométrique rigoureuse font penser qu'ils ont été construits par des êtres intelligents habitant cette planète. Et voilà. Et ça a été le vrai début du mythe des canaux martiens. Il est devenu, pas pour les astronomes un petit peu sérieux de l'époque, mais pour beaucoup d'astronomes, pour beaucoup de vulgarisateurs aussi, Camille Flammarion en tête, il était devenu évident qu'on avait trouvé la preuve qu'une civilisation martienne avait fabriqué des canaux sur Mars. Après tout, n'était-on pas à l'époque de la création du canal de Suez, du canal de Panama? Mars alors est au centre des préoccupations, avec des observations artistiques, des observations plus ou moins farfelues, où l'on voit de plus en plus de canaux. En 1896, passionné d'astronomie et de la planète Mars, fortuné, Percival Lowell, un industriel, eh bien, finance carrément un observatoire à Flagstaff en Arizona avec une lunette de 61 cm. Et il mène tout un tas d'observations de Mars avec son instrument. À l'aide de grands moyens, il réitère les observations de Schiaparelli et d'autres et les approfondit et produit tout un tas de cartes absolument énormes. Mars est alors vraiment au centre des préoccupations, avec des choses en couleur qui tiennent compte des soi-disant changements de teinte lors des saisons, parce qu'on croit avoir vu quelque chose, etc., etc. Le problème, c'est que, je vous rappelle, Mars est petit vu au télescope, on voit la lunette. Mars est rouge, donc difficile à observer pour l'œil humain. Et puis, les petits détails qui forment des taches, en fait, peuvent faire des illusions d'optique. Et c'est bien ce qui s'est produit en fait. Le problème est finalement levé un peu plus tard, en 1908, par Eugène Antoniadi de l'Observatoire de Meudon. Il démontra dessins et observations et premières photographies à l'appui qu'il s'agissait d'une illusion visuelle. C'est-à-dire que, en fait, sur un disque rougeâtre, s'il y a des taches encore un peu plus sombres, on a tendance à les relier par des traits, tout simplement. C'est juste une illusion visuelle.
Mais le mythe s'est montré vraiment tenace. D'ailleurs, Percival Lowell a continué ses observations. Beaucoup de gens continuent à croire en l'existence des canaux. On trouvera encore en 1962 des publications sur l'origine des canaux dans des revues scientifiques. L'absence d'océan, pourtant, elle est prouvée dès 1896. À partir de 1920, les études qui se focalisent sur l'atmosphère montrent que seul le gaz carbonique est clairement détecté. Un peu emmerdant pour une planète sur laquelle il y aurait des êtres vivants qui respireraient comme nous. Enfin, en tout cas, l'atmosphère est très ténue et il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars. Ça, on le sait assez vite. Ben, quand le mythe des canaux a été asséché, malgré tout, il a laissé en héritage des sceptiques, vous l'avez bien compris, un certain engouement public pour Mars, des installations astronomiques, l'observatoire de Lowell qui allait resservir après pour les observations des galaxies dans le grand débat entre Curtis et Shapley en 1920, et, bien sûr, ce que vous attendez tous, il a laissé en héritage la guerre des mondes derrière George Orwell, 1998, et tout un autre monde où la science-fiction allait goulûment s'emparer. Ça a touché aussi bien au début du XXe siècle, premier quart du XXe siècle, les pulps, les magazines, les Amazing Stories, que dans l'imaginaire collectif, le fait que, même si on ne les a pas encore trouvés, il y a probablement quand même des martiens, et peut-être ces martiens sont susceptibles de venir nous rendre visite. Quand le mythe des canaux a été asséché, voilà, il a laissé en héritage, d'abord, peut-être pas d'abord, mais c'est Herbert George Wells, la guerre des mondes, qui a vraiment... Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, une bêtise. Il a laissé en héritage donc, la guerre des mondes d'Herbert George Wells. Le scénario, c'est une planète mourante, asséchée, avec des habitants d'une haute technologie tellement grande qu'ils ont été capables de créer des canaux pour drainer l'eau depuis la glace des pôles jusqu'à l'équateur. Eh bien, un jour, les Martiens débarquent parce qu'ils ornent une autre planète depuis longtemps. Le cycle de Mars est un livre qui relate plutôt les explorations de Mars, on va y revenir. Ray Bradbury, Chronique martienne, est un livre très très poétique et très intéressant. Le livre de Mars de Leif Brackett, on en parlera. Et puis surtout, Kim Stanley Robinson. Les Chroniques martiennes sont... ne tiennent pas trop compte de la technologie, pas du tout, même si ce n'est pas du tout le but. Mais par contre, Mars la Rouge, la trilogie de Mars, de 92 à 96, de Kim Stanley Robinson, est tout à fait remarquable, et vraiment je vous le recommande, parce que, je vous en parlerai tout à l'heure, toute la première moitié de Mars la Rouge est parfaitement plausible. Bien, moi qui suis spécialiste de Mars, on peut le dire, du temps que je m'y intéresse, je suis comme Kim Stanley Robinson, je suis astrophysicien, donc on ne peut pas me faire prendre des vessies pour des lanternes. J'ai relu très attentivement le livre Mars la Rouge. Je peux vous dire que les deux premiers tiers du livre sont parfaitement conformes à ce qu'on attend sur Mars, y compris en termes d'installation, même bon, avec des petites anamorphoses à réaliser bien sûr, mais quand même c'est un livre tout à fait remarquable. Il y a eu beaucoup d'autres livres, alors dans Mars la Rouge, Mars la Verte, Mars la Bleue, il est aussi question de la terraformation. Là où, bien sûr, je ne peux pas être d'accord avec Kim Stanley Robinson, c'est les très courtes échelles de temps qu'il donne pour ce processus, donc on ne sait même pas si finalement il est stable. Mais il a eu l'idée de le faire. On explorera un petit peu tout ça, Gustave Le Rouge aussi, j'en parlerai dans un instant. Et tout cela nous amène aussi jusqu'à Randy Weir avec The Martian, qui a donné le fameux film Seul sur Mars, sur lequel j'ai toute une conférence qui vous raconte en quoi le film est bien, puis en quoi le film... peut déconner quand même, parce que c'est quand même des choses qui ne peuvent pas coller. Une grande littérature, et grâce à Mars la Rouge, Mars la Verte, Mars la Bleue, bah, le drapeau martien. Plus vert bleu, évidemment. Il est reconnu par toutes les agences spatiales comme étant le drapeau de la planète Mars. Et il y a eu différentes périodes de Mars en science-fiction. On va y venir. Même avec les possibilités modernes d'exploration spatiale, le filon est encore très largement exploité. Cependant, le sens de la fiction martienne a changé. Souvenez-vous d'un astre qu'on pensait, on savait que c'était une planète, mais on n'avait aucun détail sur sa surface. D'un astre sur lequel on avait des détails sur la surface, mais on ne savait pas encore que c'était un désert. Puis on a cru qu'il y avait des canaux dessus. Puis finalement, on a une plus juste vision moderne de ce qu'est Mars avec une faible pression, etc. Puis la présence passée d'eau, mais peut-être future aussi si on fait dégeler le sol gelé en permanence,
voire peut-être la possibilité d'en faire une deuxième planète Terre. Autrefois, Mars était arrêté au stade des trois premières diapos. Mars était représenté, peuplé par des organismes et des êtres vivants, les Martiens. Celui-là de la guerre des mondes. Celui-là, c'est dans une revue du début du XXe siècle. Et ça, c'est dans Chronique martienne. Ils ont été représentés sous diverses formes, d'abord vert, puis gris et autres. Ces êtres prennent place sur une planète dont on connaissait en ligne, mais non les détails ni les subtilités. Alors quels étaient les détails qu'on connaissait? On pouvait comparer Mars et la Terre en termes de taille, de positionnement dans le système solaire, etc. On connaissait vaguement l'atmosphère de Mars et de la Terre, on savait que c'est partie de la même famille. Des planètes telluriques. Mars, en fait, on a, dès avant la fin du 19e, on savait que Mars était deux fois plus petite que la Terre, que l'air de la surface de Mars représente à peu près la même aire que celle des terres émergées de la Terre, d'accord, que la gravité de Mars est trois fois plus faible que celle de la Terre, et grâce aux observations qui ont été faites, on a su que l'atmosphère martienne était très faible. On sait aujourd'hui que la pression atmosphérique moyenne est de 600 pascals, c'est-à-dire 6 millibars, c'est-à-dire 170 fois moins importante que sur Terre. La gravité sur Mars, un petit calcul très simple avec masse et rayon, nous redonne G, l'accélération de la pesanteur sur Mars, nous montre que c'est à peu près un tiers de la gravité terrestre, c'est-à-dire 373 mètres par seconde carré. Donc une gravité trois fois plus faible sur Mars que sur Terre. La température d'équilibre aussi, le fait que Mars soit plus loin de la Terre, si on met des lois de rayonnement, comme la loi de Stefan, et on trouve très vite, et ça on pouvait le déduire très vite à la fin du 19e aussi, que la température sur Mars devait être plus froide que sur Terre. Ça n'a pas empêché certains auteurs de science-fiction de dire qu'il faisait chaud sur Mars. Mais bon, on est martienne, hein. Mais c'est pas grave, on est dans le monde de la SF. Mars étant plus loin, évidemment, il fait plus froid. Le genre de la science-fiction martienne s'est infléchi en 1965 avec les données envoyées par les premières sondes spatiales, Mariner 4, c'était le 15 juillet 65, qui a retransmis des prises de vue de cratères, puis Mariner 6, 7, en 69, puis ensuite les sondes Viking en 76. Les nouvelles œuvres de SF tenaient davantage compte des restantes découvertes, en particulier les clichés de Mariner 4 ont définitivement enterré les fameux canaux martiens. On a compris qu'il y avait de grands ensembles sur Mars, dans le domaine volcanique de Tarsis, Syrtis Major, et le dôme volcanique d'Elyséum. Il y avait une dissymétrie nord-sud, les terres du nord étaient plutôt de grandes plaines comme un ancien océan, et les terres du sud étaient plutôt très anciennes, très cratérisées et plus hautes. Alors on l'a sur la carte en projection à partir des données de Mars Orbiter, hein, le pôle nord et le pôle sud aussi. Été cartographié très correctement. On a déduit beaucoup de choses. Il y a des grands bassins d'impact, il y a des impacts à Taklismin, bassin d'argile, bassin de glace, mais aussi Chris Planitia, Utopia Planitia, Isidis Planitia sont des restes effectivement de très grands impacts. On a vu des cratères, mais on a aussi le dôme volcanique de Tarsis avec les plus hauts volcans du système solaire, le dôme volcanique d'Elyséum. Et puis tout un tas d'autres choses. On a compris la variation de l'épaisseur de la croûte. Qu'il y a un basculement de Mars dans un lointain passé, etc., etc. D'après les étapes, les premières étapes de formation du système solaire, comme les objets se forment par accrétion, eh bien Mars a gardé pas mal des stigmates de sa formation, ce qu'on appelle les cratères. Hein, c'est ce qu'a vu la sonde Mariner, justement Mariner 4. Les planètes naissent par accrétion de poussière et d'eau. On trouve donc des cratères sur tous les corps telluriques, sur Mercure, sur Vénus, sur la Lune, sur Terre, et donc aussi sur Mars, bien sûr, mais aussi sur les astéroïdes, comme ici Gaspar. D'accord. La morphologie du cratère change aussi avec la taille. On peut trouver des cratères de 10 microns, des cratères kilométriques, 10 kilométriques, 100 kilométriques, même 1000 kilométriques. Et on trouve effectivement des cratères d'un petit peu toutes ces tailles sur Mars. Dans les grands bassins de Hellas, dont je viens de vous parler, c'est un cratère qui est comme marée orientalée sur la Lune, un très très grand bassin d'impact. Alors, il est marrant celui du haut, ça fait comme une paire de lunettes, vous avez deux cratères sur Mars qui sont très très similaires. Et la plupart des cratères sur Mars sont des cratères ce qu'on appelle à splash, parce qu'en fait il y a de la glace sous la surface de Mars, gelée en permanence, au moment de l'impact, l'eau
mêlée à la roche. La glace mêlée à la roche se vaporise, se liquéfie et donne cette belle crêpe de splash. On a compris l'influence des facteurs initiaux, on a compris que notamment de nombreux facteurs ont une influence, la taille initiale de la planète, l'importance des impacts cataclysmiques et les modes d'évacuation de la chaleur interne de la planète. Donc tout ça, on l'a affiné avec les connaissances qu'on a reçues par les sondes spatiales et on a pu dresser un portrait beaucoup plus fidèle de la fameuse planète rouge. Tiens, d'ailleurs, pourquoi Mars est-elle si rouge? Au passage, elle s'est formée avec grossièrement les mêmes éléments, mais dans une proportion similaire que la Terre. Mais parce que les couches supérieures de Mars, en fait, enferment deux fois plus d'oxyde de fer et donc deux fois plus de fer. La chaleur qui régnait sur la Terre en formation a transformé l'oxyde de fer en fer métallique fondu, a migré au cœur de la planète. Mais parce qu'elle est 10 fois plus petite, Mars n'a pas pu, en fait, accréter avec suffisamment de rapidité des bolides qui auraient refondu partiellement sa surface. Et donc Mars n'a jamais atteint une température de surface aussi élevée. Les conditions générales n'auraient pas permis de dépasser les 2200 degrés Celsius sur la surface de Mars, donc 3200 pour la Terre. Le fer a donc moins migré des couches externes de Mars vers l'intérieur et donc plus resté dans la croûte. Et c'est pour ça que la croûte de Mars recèle en gros. Hein, c'est pour cette raison que Mars recèle deux fois plus de fer. Le fer est essentiellement présent sous forme d'hématite amorphe, parce qu'il est hématite cristallisée, c'est joli aussi. Il fait 2 O3. Pour l'essentiel, lié à d'autres rochers. On a compris aussi que Mars monte sur elle-même en 24 heures, 37 minutes, 39 secondes, c'est-à-dire 1,027 jours terrestres. On a compris aussi que sur Mars, la pression et la température sont trop faibles pour que l'eau puisse exister à l'état liquide, à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a plus d'atmosphère. Mais depuis la mission Mariner 9, on sait que l'eau a coulé à la surface de Mars. On a des vallées fluviatiles, des vallées fossiles, des îles en forme de lave, qui sont fort petites, avec des écoulements catastrophiques. On sait très bien que l'eau a coulé sur Mars. Les réseaux martiens, les vallées ramifiées aujourd'hui asséchées, ressemblent beaucoup à ce que l'on peut trouver sur Terre, notamment au Yémen. Attention, les rapports de branchement ne sont pas les mêmes parce que la façon dont l'eau était distribuée ne se faisait pas selon le même processus. Enfin, c'est quand même très très ressemblant. On estime que sous la surface de Mars, il y a un sol gelé en permanence, dont, vous voyez cette carte, le milieu ici, c'est une coupe. Hein. Ici, vous avez l'équateur. Ici, le pôle nord, vous augmentez en latitude. Si vous diminuez en latitude, vous allez vers le pôle sud. On estime qu'il y a un pergélisol dont l'épaisseur varie. Alors, l'histoire de l'eau sur Mars nous dit que, au début, Mars, comme la Terre, était trop chaude. Puis, quand ça s'est refroidi, les roches ont dégazé un certain nombre de gaz, dont de l'eau, et puis l'eau est retombée sous forme liquide. Il y a de l'eau liquide sur Mars comme sur Terre, sauf que comme vous pouvez le voir, après 4 milliards d'années, il y a effectivement de l'eau liquide sur Mars comme sur Terre, et puis à un moment, avec la perte de l'atmosphère de la planète, eh bien, l'eau n'a pas pu se maintenir à la surface de Mars. Cependant que chez nous, l'eau s'est maintenue, a permis l'air des bactéries, des êtres vivants cellulaires, et puis en gros, il y a 500 millions d'années, avec les êtres pluricellulaires, le développement d'un certain nombre d'êtres vivants que nous connaissons, les végétaux, les animaux, effectivement, tout ce qu'on connaît, l'histoire de l'eau, de la vie sur Terre. Tandis que sur Mars, c'est trop être sec. En profondeur, peut-être à partir de quelques kilomètres, l'eau pourrait être liquide, voire chaude. Alors ça, c'est ce que je vous aurais dit il y a un mois à peu près. Sauf que depuis, on a découvert quelque chose de très intéressant. C'est qu'il semblerait qu'on ait largement sous-estimé le temps pendant lequel l'eau a pu rester liquide à la surface de Mars. Il semblerait qu'elle ait pu rester liquide, grosso modo, jusqu'à bien 1,5 milliard d'années. Mais ça change tout. Ça change tout parce que la vie doit avoir eu le temps de se développer sur Mars. En plus, ça va dans le sens de ma nouvelle. Donc j'étais très content. Bon, alors, je vous passe sur le fait que le radar Marsis a trouvé une poche d'eau sous la surface de Mars. Vous le savez, bon, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une eau qui est très très saumâtre et à très haute pression. Hein. Pas de précipitation, c'est une eau qui est à moins 68 degrés Celsius, mais qui est quand même liquide, parce qu'elle est sous trop haute pression additionnée d'un certain nombre de sels de sodium, magnésium, calcium, etc. Donc c'est pas une eau que vous pourriez boire. Bon, je passe, mais on imagine qu'on pourra avoir quelques éléments de réflexion, à espérer qu'on trouve la même chose, peut-être à des latitudes plus faibles, sous le pergélisol, sous la couronne jaune de Liquidus, isotherme à 0 degré, et à ce moment-là, on espère peut-être trouver à cet endroit-là des poches d'eau liquide. Bien sûr, il y a eu, très importantes, les fameuses sondes Viking,
donné des résultats absolument magnifiques et qui ont beaucoup affiné notre connaissance minéralogique et de l'atmosphère de Mars. Par contre, elles n'ont pas trouvé avec leurs trois expériences couplées de formes de vie ou même de prébiotiques sur Mars. Voilà, c'est la trace laissée par le bras manipulateur de la sonde. Alors, du coup, avec tout ce que je viens de vous expliquer, les apports de ce que toutes les sondes Viking ont apporté, qu'on a décrypté entre 1976 et typiquement 1986, donc depuis les années 90, avec les progrès de la planétologie, Mars est plutôt considéré en science-fiction comme une future Terre d'accueil, prête à être terraformée puis colonisée par l'homme, une sorte de nouvel Éden. Il y a à la fois l'histoire passée de Mars, de l'eau sur Mars, et l'histoire peut-être future de Mars si on pouvait la terraformer en 10 millions d'années. Voilà d'ailleurs les habitats que la NASA pour lesquels la NASA a opté fabriquer en imprimante 3D, donc une mission humaine, ça pourrait ressembler à ça, dans un premier temps. Au milieu du siècle prochain, les bases martiennes, ça pourrait ressembler à ça, ou plus idéalement à ça. C'est joli, hein. Vous savez où ça sort, ça, ce document. Je vous donne l'envie, ça sort du journal de Piquet. Bien fait quand même. Alors peut-être on arrivera à faire fondre la glace des pôles et du pergélisol en utilisant des piles atomiques, en concentrant des rayons solaires avec des grands miroirs spatiaux sur les calottes polaires, et progressivement, eh bien, ça dégazera de l'eau, et peut-être de l'eau arrivera à l'état liquide à la surface de Mars. Peut-être qu'on arrivera à terraformer Mars, moi j'y crois pas trop, mais on... pourquoi pas. Les scénarios de terraformation les plus optimistes nous disent que si on prend par rapport à l'époque actuelle, il faudrait 200 à 400 ans pour arriver à faire fondre une bonne partie de la glace, à restaurer une atmosphère à peu près correcte, puis 800 à 1000 ans pour que l'eau soit vraiment présente et forme un océan, et puis plusieurs dizaines de milliers d'années probablement pour qu'on ait quelque chose qui commence à ressembler vraiment à la Terre, on puisse respirer à l'air. C'est pas gagné, hein. Donc Mars terraformé, c'est pas pour tout de suite si on n'y arrive jamais, parce que les équations différentielles qui gèrent ça sont tellement hautement non linéaires qu'il y a toutes les chances pour que ça diverge très fortement avant qu'on arrive au résultat et qu'on fasse plutôt une connerie. Bon. Avant que le mythe des canaux soit asséché, maintenant je reviens un peu en arrière, maintenant que j'ai mis tout ça en perspective, bah, il y a eu pas mal d'œuvres. Il y a eu l'homme de Mars, le guide Maupassant. Le narrateur reçoit la visite d'un homme qui semble être fou et qui, soi-disant, a été sur Mars. Au cours de son récit, il va démontrer que bel et bien, il a été sur Mars. Ça, c'était bien avant que le mythe des canons ne soit asséché. Puis, la communication interplanétaire par Vodoron. Quand les premiers hommes prennent pied sur Mars, ils découvrent un monde qui défie la raison humaine, la vie prend des formes étranges, terribles ou magnifiques. Sur ces astres lointains, pour la première fois dans l'histoire, les hommes vont rencontrer des formes de vie intelligentes. Est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer avec eux? Intéressant, hein. Donc ça, ça date de 1896. Bien sûr, la guerre des mondes, j'en ai parlé. C'est une des premières œuvres d'imagination dont le sujet de l'humanité est confronté à une race extraterrestre hostile, en plus d'être le reflet de l'angoisse de l'époque victorienne et de l'impérialisme. Et c'est là qu'on nous vante la grande intelligence et la supériorité technologique, évidemment, des martiens qui finalement seront vaincus par les virus de la Terre. Heureusement pour nous. Dans Docteur Oméga, aventure fantastique de trois Français, à la France est à l'honneur, Danon Galopin. Bah, c'est un récit qui est assez joli quand même. Denis Borel s'installe dans une petite ville où il fait la connaissance du Docteur Oméga, un savant excentrique, qui lui montre un métal avec d'étranges propriétés, fabrique un vaisseau spatial et il part pour la planète Mars. Bon. Le coup d'Eddy, c'est quand même trois Français dans la planète Mars. C'est intéressant. Le prisonnier de Mars de Gustave Le Rouge. Un truc très original par contre. Grâce à l'énergie psychique dégagée, donc ça date de 1906, hein. Grâce à l'énergie psychique dégagée par plusieurs milliers de fakirs rassemblés dans un monastère de l'Inde, Robert Darvel est projeté sur Mars. Il y découvre une vérité interplanétaire extraordinaire. La race la plus civilisée est en fait aussi la plus cruelle. Ok, c'est un mec qui a bien observé les hommes. Hein. Sur cette planète hallucinée où la vie est un cauchemar, à peine interrompue par les jours, en le jour, les humains servent de cheptel à leur maître, qu'on appelle les vampires. C'est l'origine des vampires. Il y a le cycle de Mars aussi, qui est très intéressant, d'Edgar Rice Burroughs. Donc un premier grand succès populaire pour des récits de planète opéra. Le cycle de Mars raconte les aventures de personnages sur Mars, décrites comme une planète agonisante, basée sur les travaux de Percival Lowell et Camille Flammarion,
est peuplée de diverses races qui se font la guerre. Il y a au moins 3 ou 4 races de Martiens, et les Martiens rouges sont les plus nobles, soi-disant, et d'ailleurs ils peuvent se reproduire avec les humains. En chronique martienne, le livre est composé de nouvelles parues dans les magazines entre 45 et 50. Chaque nouvelle est associée à une date, à partir de janvier 1999 jusqu'à 2057, raconte une histoire qui s'intègre à une histoire plus globale. L'ensemble de l'œuvre, très poétique et peu concerné par le réalisme scientifique, mais résolument tourné vers une réflexion sur les sociétés, raconte l'histoire des premiers colons terriens vers la planète Mars. La très ancienne civilisation martienne sur le déclin finit par disparaître devant l'arrivée massive des humains. À cause d'une guerre qui se déclare sur leur planète d'origine, toutefois, les terriens à la fin repartent et abandonnent Mars, à l'exception d'une poignée d'humains. Un livre très très beau. Hier, j'ai relu Hila, la nouvelle numéro 2, c'est juste génial, c'est beau, c'est extrêmement poétique, je trouve. D'ailleurs, c'est tellement poétique que je lui ai rendu hommage. L'atmosphère exotique, inquiétante aussi, qui s'inscrit dans l'Europe des chroniques martiennes, inspire une sagesse aux cendres persiennes, un coucher de soleil où tout l'être est saisi. Le livre de Mars, qui se décline en 4 chapitres, c'est un cycle de 4 romans de fantaisie, là encore, comptant les aventures de terriens sur la planète rouge. On distingue quand même mal la science de la magie. C'est de la fantaisie. La planète rouge, de Robert Heinlein, fait partie d'un cycle de romans qu'il avait écrit pour la jeunesse, mais que les adultes peuvent lire aussi. Ce livre relate l'aventure d'un jeune garçon dans le contexte troublé d'une planète Mars, telle qu'elle pouvait se concevoir avant l'arrivée des sondes vikings, sillonnée de canaux construites par de curieuses créatures dont le héros va découvrir la civilisation inattendue au cours de ses tribulations. On retrouve toujours les canaux, planète mourante, etc., etc. Et de même, dans les sables de Mars, très intéressant, le voyage sur Mars d'un auteur de science-fiction qui visite la planète rouge. Donc c'est un ouvrage d'Arthur Clarke, son voyage à raconter avec sensibilité et éléments d'aventure comme un explorateur. Les éléments sont fantaisistes, mais néanmoins teintés d'un très joli charme. Et enfin, Martians Go Home, un livre écrit avec beaucoup d'humour, mais néanmoins avec beaucoup de sérieux. L'histoire commence en 64 lorsque Ludovic Roy, un écrivain, s'intéresse aux Martiens, il pense avoir une idée sur les Martiens lorsque quelqu'un frappe à la porte. C'est un petit homme vert. Dans la discussion, le Martien se révèle très peu courtois, mais doué de capacités exceptionnelles. Notre homme quitte sa cabane en voiture et se rend bientôt compte qu'il n'était qu'une hallucination. 1 milliard de Martiens ont débarqué sur la Terre. Puis à un moment, ils sont priés de repartir. Après le passage des marinaires et des vikings, les choses changent. Dans le glissement de temps sur Mars, la planète Mars est colonisée, mais les conditions de vie y sont arides et l'adaptation délicate dans cet environnement vraiment difficile. Tiens, ça recolle plus à ce qu'on a appris des sondes spatiales. Il y a des cas de schizophrénie qui se multiplient dans les générations naissantes, et donc ça donne lieu à tout un tas de controverses et d'idées. Donc Philippe Kadic, 1981. Alors effectivement, Mars, on la connaît beaucoup mieux avec le super portrait de famille de toutes les sondes qui l'ont visité. Aujourd'hui, on peut envisager d'aller sur Mars en 8 mois et demi seulement, à condition de bien envoyer avec les bonnes vitesses, flèche jaune et décélérée, flèche orange, les vaisseaux. Bon bref, on peut trouver le delta V qu'il faut donner au vaisseau. Pour arriver là-bas, il faut freiner en arrivant. On a même envisagé des vaisseaux avec aérofreinage. Voilà l'architecture de mission actuelle. Enfin, ça c'est Mars, ce qu'on appelle Mars direct. On sait que Mars direct ça ne marche pas, mais c'est quand même pas inintéressant. C'est quand même à peu près ce qu'on voit dans Sol sur Mars, d'ailleurs, à peu de choses près. Même si l'architecture qui est dans Sol sur Mars, c'est Mars semi-direct. On a des idées d'implantation. On a de meilleures idées maintenant, comment technologiquement on peut tirer parti justement des ressources martiennes. La mise en œuvre de la réaction de Sabatier, notamment, développé par le professeur Robert Zubrin. Le docteur Robert Zubrin nous donne beaucoup d'idées pour explorer, coloniser Mars beaucoup mieux. Deux scénarios de mission humaine sont possibles, le scénario d'opposition, le scénario de conjonction. Tout dépend du temps qu'on veut rester, qu'un équipage humain voudrait rester sur Mars. Donc, je passe sur les détails, désolé. C'était pour expliquer. Ah oui, on choisira les oppositions. Il y a des oppositions favorables et défavorables. Voilà le calendrier des oppositions. Vous voyez que 2020 était assez favorable. Donc on peut imaginer qu'on irait sur Mars en 2020. C'est pas idiot. Elon Musk, il n'est pas complètement
complètement fumé. Moi, je penche plutôt pour 2035, parce que je pense qu'on ne sera pas prêt à... L'opposition sera très très favorable. D'ailleurs, j'ai trouvé la date exacte, et puis j'ai fait les calculs qui permettent de trouver à quel moment il faut envoyer le vaisseau. Je passe les calculs, si vous voulez les voir, je vous montrerai plus tard. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Pas difficile, hein. 9 juin 2035, voilà. Vous y repenserez si nous sommes encore de ce monde à ce moment-là, en se disant, tiens, ce crétin, il avait raison, on a un vaisseau qui part le 9 juin 2035. Enfin, à quelques jours près. Après le passage des mariners à des Vikings, eh bien, il y a eu Mars, puis retour sur Mars, en 1992 par Ben Nova. Et c'est le premier vrai récit, un peu clair, un peu propre, finalement, de ce que serait une première mission sur Mars. L'action se passe en 2020, tiens donc, c'est effectivement... C'est plausible, la première expédition martienne se pose sur Mars après un voyage de 9 mois. L'expédition a été financée par tous les pays. Le roman décrit l'expédition, mais perd de retour en arrière le processus de sélection qui a amené le personnage principal à fouiller le sol inexploré de la planète Mars. Donc dans ce livre, on a déjà un exposé très clair et très propre de ce que peut être le voyage humain vers Mars. Et bien sûr, la trilogie de Mars, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue de Kim Stanley Robinson, ainsi que le recueil de nouvelles des Martiens, plus ou moins connexes, mais un peu indépendants de la trilogie et les menhirs de glace, donnent une idée, effectivement, surtout la trilogie de Mars, vous dit, donne une idée beaucoup plus précise. Sauf que sa chronologie est trop rapprochée. On ne pourrait pas faire la terraformation de Mars en 200 ans. Hein, c'est ce que lui, il imagine, évidemment, c'est possible. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Donc, Cap sur Mars du docteur Robert Zubrin est extrêmement intéressant à lire, même si on sait très bien que les solutions technologiques proposées par Zubrin ne marchent pas. Hein, avec donc, je vous dis, un véhicule de remontée, un véhicule d'habitation, voilà, une serre, etc. Mars semi-direct aujourd'hui se calque, enfin, le projet de la NASA de la fin des années 90, début des années 2000 se calquait d'ailleurs. Dessus. On est très loin des idées de Werner von Braun, illustrées par Chesley Bonstell au milieu des années 60. Allez, on finit par un peu de poésie, parce que je crois qu'il faut rendre l'antenne, hein, à mon avis. Planète rouge sang, au nom guerrier de Mars, Kepler prophétisa le succès de ton nom. Ô jardin suspendu de nos pontes épars, le genre humain voulut te toucher de ses dons. Planète rouge sang, au nom guerrier de Mars. Grands volcans enneigés et dômes majestueux, assoupis olympiens dominant la planète, et ces fleuves aux olives asséchés et tortueux, ce l'air silencieux couronne votre tête. Grands volcans enneigés et dômes majestueux. Ô plateau de Tarsis, désertique et grandiose, déchiré sur ton nom d'un canyon insondable, Valles Marineris, fantastique symbiose où ne s'écoule plus que des courants de sable. Ô plateau de Tarsis, désertique et grandiose. La suite. Je vais quand même vous lire Paysage martien, ça vaut le coup. C'est quand même un pastiche de Baudelaire que j'ai réalisé. C'est un pastiche de paysage. Donc, je ne l'ai pas dit, tous ces poèmes-là, sont en fait dans mon livre à paraître aux éditions Mélisse, à l'ombre de l'étoile. Allez, on se fait celui-là et on termine. Paysage martien. Je veux, pour composer mes martiens épilogues, emprunter leur planète aux géomorphologues, leur volcan, leur désert, leurs dunes en rêvant aux grains de sable rouille emportés par le vent. La belle autre couleur dont l'image se farde rend plus étrange encore aux terriens qui regardent ce désert fabuleux, témoin d'immensité, où se canyonne souvent comme une éternité. Il fut tant excitant d'apprendre et de connaître les secrets de ce monde à mystère et de naître ici-bas qu'un enfant au grand effarement, mais brûlant de toujours glisser au firmament. Je verrai dès bientôt les tracés de rayons du rover circulant en pleine monotone, ouvrant et refermant à l'ordre ses volets pour traquer le transept d'exotiques palais. Alors je rêverai de chimie au cœur d'âtre, au ventre de l'engin, travaux au clignard, cherchant avidement du soir jusqu'au matin la présence de vie au fond bien incertain. Quelle grande aventure et quel âpre chapitre est le nôtre à présent rivé sur son pupitre. Car le défi sanglant de notre humanité se dissout à petit dans cette immensité. Se perdre dans son orgueil au rêve et voudrait croire, et pardon, se perdre dans son orgueil au rêve et voudrait faire de la planète Mars une nouvelle terre.
Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ça va très bien. Alors, une dernière chose. Hein. Tiens, je n'avais pas viré ça. Voilà. Donc en fait, on a vu que finalement la littérature, essentiellement de science-fiction, a été extrêmement influencée par les découvertes technologiques que l'on a pu faire, ce qui n'a pas empêché un certain nombre d'auteurs d'écrire absolument ce qu'ils voulaient, et c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut effectivement. On peut se demander si la recherche de la vie sur Mars n'est pas vouée à l'échec, on peut quand même essayer. On peut se demander aussi si malheureusement nous n'avons pas déjà pollué nous la planète Mars en envoyant les sondes, ce qui est tout à fait vraisemblable. Pour écrire d'ailleurs un roman de science-fiction à ce sujet. J'espère que cette petite conférence vous a permis de retrouver aussi l'enfant qui est en vous. Un grand merci donc pour votre attention et j'en profite pour vous signaler un concert que je donnerai la semaine prochaine à l'Observatoire de Nice, dimanche prochain. Alors vous voyez, la faux réservation est toute petite. C'est un concert musique, poésie et astronomie. Donc mes poèmes, je dirais pendant une heure à peu près, mes poèmes, je serai accompagné à la harpe et aux angles et percussions, donc sous la coupole Charleroi. Réservation à cette adresse-là.